Hello tout le monde, aujourd'hui je te fais une nouvelle vidéo donc qui sera une vidéo où je vais vous montrer le contenu d'un carton qu'il y a dans ma chambre qui n'a jamais été vide je pense parce que c'est mon carton de tous mes produits en stock, voilà, et il est plein en coco, il est moins plein que pendant un moment. À un moment vraiment il était à ras-bord, mais voilà, on va dire que ça va. Donc faut savoir que moi je suis une personne qui adore acheter, qui adore avoir des nouveaux produits, tout ça c'est quelque chose que j'adore. Mais vu que je n'ai pas 40 millions d'usage ou 40 millions de corps, forcément le temps que ça se finisse, bah il y a des produits qui s'entassent. Donc voilà, du coup cette vidéo je voulais vous la faire mais j'étais pas sûre parce que voilà. Mais vu que là j'avais pas trop d'idées, je me dis c'est le moment ou jamais. Donc voilà, je vous ai pour vous montrer l'étendue des dégâts. Tout d'abord on a tous les masques, comme ça je vais vous faire tous les masques en même temps. On a tous les masques unidose. On a tous les masques unidose plus les masques qui sont là. Et encore j'en ai deux d'ouvert dans ma salle de bain. Donc masque unidose, donc d'abord on a ceux pour les mains et les pieds. Voilà, donc ASL, je vous en parle dans les produits finis quand ils sortiront. Celui-là je vous en ai déjà parlé, donc c'est celui-là pour les lèvres. Voilà, il m'en reste un vu que j'ai pas trop aimé, je vais en offrir un à une amie parce que peut-être qu'elle aimera bien. Ouais, mais du coup pas celui-là, je ne sais pas ce que j'en ferai. Voilà. Et puis ensuite on a tout ce qui est masque, tissu pour le visage, donc j'en ai 4. Donc on a celui-là donc aux œufs. Celui-là à l'or, celui-là aux graines de sésame. On a celui-là qui est un peu plus vieux, c'est la marque Mask On, c'est Ori. Voilà. Donc même si j'en fais assez souvent, surtout depuis ce confinement, et ben là, toujours, donc, je suis un peu à contre-jour, je suis désolée, mais je sais pas trop me placer dans cette chambre. Et ensuite j'ai les deux masques comme ça, donc de chez Yves Rocher, donc j'ai Réveille ton teint et Défatigue ta peau. Ouais, c'est des petits masques comme ça. Voilà. Ensuite au niveau des gommages visage, pareil j'en ai 3 en stock. Voilà, donc on a deux chez Brochet, donc celui-là il y a gelée, exfoliante, éclat, hydra végétale. Alors c'est vrai qu'elle est bien mais je la trouve, voilà, je suis pas, je suis plus aussi fan qu'au début, mais ouais, donc, toujours ici. Ensuite on a celui-là, donc c'est affine ton grain, donc c'est la version pour le visage de leur gommage à l'abricot. Et ensuite j'ai celui-là donc de chez Evoluderm, le gommage nourrissant au beurre de karité, que j'avais hâte de tester, mais d'un coup en ce moment j'ai des nettoyants gommants, du coup bah, j'ai pas à mettre un gommage en plus dans ma salle de bain si je veux faire un gommage, voilà. Et j'ai aussi le gommage enzymatique professionnel. Donc comme vous pouvez voir en fait, même si vous voulez, je pourrais même vous montrer l'étendue de tous les produits que j'utilise en ce moment au niveau de ma salle de bain, et vous verrez qu'il y a déjà pas mal de produits. Donc voilà. Mais celui-là c'est vrai que je l'avais acheté parce que je voulais voir que ça donnait un. Ensuite j'ai un gel douche, ça ça va, c'est ce qu'il y a le moins. Donc le petit Marseille à la fleur d'oranger, ouais, j'avais eu un vote 2. Ça c'est pas vraiment stock, vu que c'est mes tuyaux de coton. Et en fait j'ai une boîte pour les mettre dedans pour mon vernis et je peux pas mettre tout le paquet, donc je laisse là en attendant. Ensuite donc on va faire le plus gros stock je pense, c'est le stock des crèmes pour les mains. Voilà. Et encore là j'ai bientôt fini la mienne, donc il y en a une qui va partir, mais... et c'est presque que des brochures sauf celle-là, donc la dermophile que j'ai eu la prescription là, mais du coup je pense que là j'attendrai l'hiver prochain. De toute façon avec toutes celles que j'ai, je pense que je peux tenir jusqu'à l'hiver prochain, parce que je pense que c'est vraiment très réparation, donc je préfère ça pour les périodes de froid, mais même s'il fait encore froid, il fait plus si froid que ça. Ensuite donc j'ai deux, ça c'est même du calendrier de l'Avent, je me rappelle. Donc premier flocon et le grand format. Voilà, vu que je l'avais adoré, donc je l'avais acheté en grand format. Ensuite j'ai la thé dorée. Voilà, c'est une crème que j'avais beaucoup aimée au niveau de l'odeur. Et du coup je l'avais rachetée pendant les soldes. Donc il y a beaucoup d'achats soldes. Et ensuite donc de mon cadeau de Noël, du coup là j'ai... Oui, si, il y avait la fleur de lotus sauge, mais vu que je l'avais déjà, du coup je l'ai mis pour offrir à une amie. Voilà, ça m'évite de faire des doublons. Donc du coup, on a ces trois là. Donc il y a framboise, menthe poivrée que j'aime beaucoup.
Qu'en fait, la Fleur du Sceau, je sais pas que j'aime pas, mais c'est pas mon odeur préférée parmi toutes celles-là. On a mangue coriandre, ça j'ai hâte de tester, et la vanille bourbon. Donc ça, j'aime beaucoup les crèmes marie au rocher, mais du coup, forcément, bah, ça prend un peu de temps à finir. Gommage corps, ça va parce que j'en ai qu'un, mais j'en ai un que je viens juste d'entamer. Donc là, on a le framboise non poivré, donc normalement, c'est un gel douche gommant, mais du coup, moi, je l'utiliserai que sur les jambes. Shampoing, donc j'en ai deux. Donc on a le réparation de Yves Rocher et un petit Kérastase, donc bain fortifiant pour les cheveux. Voilà. Donc c'est vrai que moi au niveau des cheveux j'utilise deux shampoings à chaque fois. Donc un nourrissant, hydratant, tout ça. Et un vraiment soin. Donc voilà. Et du coup pour l'instant j'utilise celui-là, les reflets, pardon. Je vous en ai parlé dans les favoris. Voilà, mais du coup pour moi c'est plus pour tout ce qui est soin. Et ça serait plus pour tout ce qui est vraiment juste nettoyage des cheveux. Au niveau des déos, j'en ai deux. Voilà. Donc je vous les ai déjà montrés il n'y a pas longtemps, mais le Beach Happy Hour et le Summer Time Moments de chez Fa. Voilà, même si du coup pour les cours, ben, pas trop, mais plus pour la maison. Ensuite, j'ai trois gels hydroalcooliques de chez Mercy Andy. Donc on a deux au citron et un à la coco. Du coup, ça, en ce moment, c'est assez sympa d'avoir fait un petit... stock. Alors, j'ai pas fait du tout le stock en vue de ça vu que je l'ai acheté il y a quand même assez longtemps, mais même si apparemment j'ai entendu dire que c'était pas les meilleurs, voilà, mais après écoutez, je pense que c'est mieux que rien, mais du coup voilà, ils sont là, vous savez que je les adore. Ah bah d'ailleurs je vais pointer les Lemoli, j'en ai deux, donc un à la coco et un bergamote thé vert. J'ai un nettoyant visage, donc le sébo végétal, j'avais pris en deux, donc il est déjà en cours dans ma salle de bain, mais actuellement en fait concrètement j'ai 4 nettoyants visage en cours vu que j'ai un nettoyant, oula, donc j'ai un nettoyant gommant de chez Action, un nettoyant gommant de chez Yves Rocher, celui-là et le baume démaquillant, donc voilà, pour pouvoir, je tourne pas mal, mais du coup celui-là est dans mes stocks. Alors, ensuite ça c'est dans mes stocks, voilà, parce que c'est, en fait je vous l'ai dit, pour cet été quand je partirai en vacances, je la prendrai, parce que ça c'est clairement l'odeur des vacances, et d'ailleurs je pense déjà que au solde d'été je vais m'acheter les gels au chaumont d'œil. Alors c'est une tuerie, de temps en temps j'en spray un petit peu, histoire d'avoir un petit peu un petit bonheur, tu vois, mais franchement celui-là, mon œil Tahiti, elle est géniale, mais c'est plus pour cet été. Ensuite donc j'ai deux baumes à lèvres, donc il y a le premier flocon et le framboise. Donc framboise c'est que je l'avais vu en cadeau. Framboise c'est que je l'avais vu en cadeau parce que je vous l'ai déjà dit, mais moi j'aime pas trop les baumes à lèvres teintées. Et pour un flocon c'est moi qui l'ai acheté, mais du coup là mon macadamia il est bientôt fini et mon cerise est en cours d'utilisation. Donc ceux-là je pense qu'ils ont très rapidement. Celui-là c'est sûr qu'il aidera dans ma trousse pour les cours. Vu que les colorés, ouais, j'en veux pas pour les cours parce que bon, tu sais, quand vous mettez le volet, vous en mettez un peu partout. Et mon coloré, j'en ai toujours là, j'en ai partout. Donc voilà. Ensuite, donc j'ai une crème, donc pure calendula. Faut savoir que c'est un produit en stock, mais qui a déjà commencé à être utilisé. Mais c'est la crème que je mets quand je sens que j'ai la peau qui tiraille dans ma chambre. Ou quand j'ai oublié de mettre ma crème et que je me rends compte et que du coup j'ai la peau sèche qui demande de l'hydratation. Du coup, voilà, mais franchement, elle est très bien, j'aime beaucoup. Elle est très cool, elle sent très bon, elle pénètre très très bien, donc ça, très très cool. Ensuite, j'ai une eau micellaire soignative végétale. Et pour terminer, j'ai ça, donc je vais présenter, donc j'ai les deux autres en haut, en haut, dans ma salle de bain, même si j'ai pas encore utilisé pour l'instant. Mais du coup, bah, les deux autres, je les garde là-dedans pour l'instant. Voilà, on a terminé, donc je vais vous montrer l'étendue des dégâts. Voilà, il y a quand même tout ça comme produit. Voilà, je peux vous dire que je suis bien au niveau des produits de beauté. Voilà, vraiment, j'ai ce qu'il faut, quoi. Surtout en crème pour les mains, quoi. Je peux faire tout ce que je veux. Et voilà, donc, du coup, voilà pour tous mes produits en stock. Du coup, peut-être que je vous ferai une vidéo avec mes produits en cours d'utilisation dans ma salle de bain. Pourquoi pas, parce que bah, du coup il y a pas mal de petits produits et ça pourrait être sympa. Voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais un bisou et je vous dis à la prochaine fois. Et prenez